Cher poisson, voici votre guidance. C'est parti, on commence. Celle-ci, je la garde pour la fin, et on commence avec la première ligne. Et nous avons donc la carte ici du partage. Alors, il y a deux cartes du partage. Je vais vous en parler dans l'oracle des nombres. Et dans l'oracle du verso, nous avons la carte de la clairvoyance, de la discipline et de l'échange. Hop. Alors. Je fais le ménage. Alors, la carte du, du partage, c'est une carte qui euh, met en avant euh, notre, euh, votre capacité <laughs> euh, de transmission. Euh, tout ce que, toutes les expériences que vous avez eues, que vous avez vécues. Euh, toutes les découvertes que vous avez faites, euh, parce que l'on, c'est une énergie puissante qui permet en fait d'enseigner euh, et de partager euh, avec les autres des choses qui sont importantes. Euh, et euh, là, il y a vraiment une idée d'exprimer ses convictions, euh, d'exprimer de, ses connaissances, d'exprimer ses intuitions parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, euh, avec cette carte de l'échange, euh, qui partagent des, des situations que vous avez vous-même vécues, qui passent par ce, ce par quoi vous êtes passé, et qui euh, vont réellement apprécier votre, euh, votre sagesse et, euh, et vos conseils. Donc, je vous disais, il y a deux cartes il y a, il y a de, de, de partage. Il y a la carte 11 et la carte 2. Euh, la carte 2, elle est liée à, à, à l'idée de mettre un peu de l'eau dans son vin euh, et de ne pas vouloir imposer les choses. Ici, au contraire, on est dans l'idée de, de, de vraiment de partager, d'enseigner euh, à l'autre. Alors ici, avec la, claire, la carte de la clairvoyance, justement, on est vraiment dans, 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 dans l'intuition, dans le fait de voir les choses clairement. Euh, dans la lucidité, dans, dans, dans l'instinct. Euh, ici, c'est peut-être dans le cadre d'un de, de, échange. Alors, ça peut être avec votre conjoint, avec un ami, avec une personne que vous croisez dans la rue, en voyage, euh, dans le domaine professionnel, peu importe, bref, un membre de votre famille. En tout cas, ici, il y a un échange euh, où vous allez euh, permettre, j'ai l'impression que vous allez permettre à quelqu'un de voir les choses, vous allez euh, donner des conseils. Euh, ou partager une expérience qui va permettre à, à quelqu'un de sortir d'une situation euh, euh, peut-être un peu complexe, en tout cas de lui permettre de, de, de trouver un chemin euh, plus rapidement vers la sortie euh, par rapport à cette situation. Donc là, en fait, il je, je, y a peut-être des personnes qui vont venir vous solliciter. Euh, pour vous demander des conseils, pour euh, pouvoir les éclairer, et c'est ce que vous allez euh, faire et, et réussir hein, pour le coup, euh, parce que ça va résonner en vous en fait. Euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui va qui va se produire. Et vous allez euh, vous allez pouvoir aider. Voilà, vous allez pouvoir aider et éclairer quelqu'un. Et euh, euh, parfois, on reste, on se dit non, je ne vais pas m'en mêler, etc. Euh, là, en fait, on vous dit osez euh, exprimer ce côté-là chez vous. Il euh, y a peut-être une idée aussi de partager des connaissances d'une manière beaucoup plus large, de communiquer sur euh, peut-être vos dons particuliers. Euh, parce que la clairvoyance, mais ben, c'est aussi une carte de clairvoyance au sens euh, strict du terme, hein, euh, de don de, de voyance. Donc il euh, y a, y a peut-être ça aussi, euh, c'est-à-dire de, de, de trouver un moyen de partager et d'oser partager ses euh, capacités chez vous. Et de reconnaître en fait... Euh, 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 de reconnaître et, et de reconnaître ses capacités chez vous parce que peut-être simplement vous les sentez euh, mais vous les partagez pas avec d'autres et là en fait il y a une idée aussi de partager parce que vous allez faire du bien aux gens soit par votre expérience encore une fois dans un cadre plus intime soit à un sens beaucoup plus large euh, de développer vos capacités et de, de, de faire en sorte d'être, ben, euh, comment vous dire ça D'être dans une forme de rigueur, de discipline, vous euh, voyez, pour, euh, pour communiquer sur ce que vous faites. Très intéressant et très chouette. Hein Dites-moi si ça résonne pour vous, là, parce que pour le coup. Waouh wow. Alors, ici, on a la carte de l'éveil on a la carte euh, de la passion, de l'abondance et de l'homme. Ok. Alors, la carte de l'éveil, c'est une carte magnifique qui est déjà sortie euh, et qui nous parle en fait de vivre une période d'éveil spirituel. Alors, c'est très intéressant par rapport à la deuxième interprétation que j'ai faite sur cette notion de partage, de clairvoyance, de don en fait. Euh, et ici, en fait, il y, y a une idée dans la carte de l'éveil de. de euh, d'amélioration, euh, enfin, d'évolution sur le plan spirituel, mais euh, aussi sur le plan euh, matériel. Ici, il y a une idée de développer son sens des responsabilités et il y a des avancées significatives qui vont se produire dans votre vie et des prises de conscience, parce que la carte de l'éveil, au final, c'est ce, ce, ce dont elle nous parle, pardon. En fait, c'est qu'il y a des prises de conscience que vous allez réaliser en ce moment qui vont être très très importantes pour votre évolution. Euh, et euh, peut-être que ça peut être un petit peu douloureux. Euh, quand je vois les cartes qui sont là, euh, je me dis que ça peut être un petit peu douloureux, mais que euh, euh, c'est un réel cadeau. Donc là, en fait, l'idée, c'est que quand vous faites cette prise de conscience, peut-être par rapport à ces échanges là euh, qui vont qui vont vous permettre aussi d'avancer sur vous même comme euh, une notion vous voyez de gagnant gagnant euh, et, et ça va vous permettre en fait de franchir un cap euh, alors il va y avoir de nouvelles responsabilités à, à accepter aussi avec confiance mais ça risque peut-être de vous bousculer un petit peu mais c'est pour vous tirer vers le haut et euh, cette prise de conscience, elle peut vous demander aussi d'effectuer des changements dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre euh, ou dans votre mode de fonctionnement euh, d'une manière générale. Euh, donc prenez-le vraiment comme un cadeau. Euh, quand je vois les cartes qui l'accompagnent, euh, on a ici la carte de la passion, de l'abondance et de l'homme. Donc euh, la carte de la passion, c'est on, on est en train de parler de sentiments qui sont euh, vraiment très très forts. Euh, mais ça nous parle aussi de dépendance affective, euh, ça nous parle de la voie à suivre et ça nous parle euh, parfois de souffrance vous euh, Voyez, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de la passion. Alors on est peut-être aussi dans quelque chose qu'on aime, mais ici on a des épines, quoi. Euh, et il y a une idée avec le blanc et le noir aussi euh, d'unir des polarités. Alors est-ce qu'ici il y a l'abondance, ça nous parle de, de du bien-être, du confort, euh, de la de la richesse. Alors au sens large du terme, mais aussi la, la richesse euh, euh, sur le plan matériel. Donc est-ce qu'il y a une dépendance au confort, une dépendance à l'argent? Euh, euh, un besoin de beaucoup travailler parce que vous avez besoin d'un confort de vie, etc., et que peut-être que vous vous rendez compte euh, que c'est peut-être pas la chose la plus essentielle dans votre existence. Il euh, y a peut-être quelque chose euh, euh, comme ça qui se, qui se, qui se joue. Alors, euh, soit euh, alors, là, on est sur l'énergie masculine, donc en fait, ça peut être une énergie d'action, ça peut être une énergie de pouvoir. Euh, euh, Peut-être en tant que, que, que père de famille, euh, de vouloir absolument mettre sa famille dans un confort, de travailler beaucoup et de ne pas forcément être présent à la maison. Euh, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais c'est un exemple. Mais ici, voilà, on est, euh, on est, euh, on est dans l'action pour atteindre ce confort parce qu'il y a euh, ce besoin euh, de. de, de, de... Euh, de satisfaire cette abondance, euh, voilà, comme un peu une dépendance. Alors, est-ce qu'il y a une notion de manque derrière On verra. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est liée à ça. À suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a là La famille. Ok. Ok. Donc, on a la carte des excès du printemps et de l'amour. Alors, la carte de la famille, elle est déjà ressortie dans un autre tirage, les béliers. Euh, c'est une carte qui nous parle de, de. Donc qui nous parle de la famille, comme son nom l'indique, mais d'une manière plus générale, elle représente les responsabilités en général. Euh, et là, c'est comme si on vous disait, alors c'est intéressant hein, par rapport à, à la ligne précédente, là. Euh, ici on vous dit en fait que on vous invite en fait à, à, à passer plus de temps et à donner plus d'attention à vos proches euh, et euh, d'être plus conciliant Alors est-ce que... Euh, parce qu'ici, avec la carte des excès, on est sur des débordements, sur de l'énergie mal canalisée, sur des dépendances, euh, sur les excès en tout genre. Peut-être des excès de colère, euh, de tristesse, peut-être que vous dépensez beaucoup, peut-être que vous travaillez beaucoup. Et là, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, votre famille a besoin de vous. Et vous avez besoin de votre famille. Et qu'il y a une idée ici de prendre soin de ses proches. Donc là, ben, le printemps, c'est une période de saison, donc ben, c'est la période dans laquelle on va rentrer. Euh, et la carte de l'amour, ben, ça nous parle de euh, ça nous parle de couple, ça nous parle de euh, euh, aussi d'être dévoué. Ça nous parle d'association, ça nous parle. Mais dans cette situation, moi j'ai l'impression que euh, c'est comme s'il y avait une forme de, de, de dévouement euh, euh, à sa famille. C'est-à-dire qu'on passe de la passion à l'amour, là pour le coup, euh, sur cette période de printemps. Alors est-ce que c'est avec l'éveil euh, qu'on sort d'un état Mais vraiment, c'est flagrant en fait. Euh, euh, c'est flagrant. Ici, pour moi, d'être présent pour, pour, pour sa famille, parce que ça va faire du bien à, à tout le monde, avec une idée de reconnaître ses responsabilités. Ses responsabilités familiales. On va voir ce que nous réserve la carte, parce qu'elle est toujours hyper pertinente. Alors, ah, punaise, d'accord. <laughs> ok, ah ben, ça explique tout. Euh, J'espère que vous n'êtes pas parti avant la fin. Donc, euh, ici, on a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Alors, cette carte de l'abondance, elle est euh, vraiment très, euh, comment vous dire, euh, très intéressante dans ce tirage parce que euh, elle nous parle en fait de nos manques, euh, de nos manques. Elle nous parle de nos frustrations et euh, surtout de tous les schémas qui ont tendance à se reproduire à ce niveau-là. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, on a un esprit de manque et que on va toujours euh, euh, faire des choses euh, peut-être en excès. Pour combler ces manques. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent qui s'inscrit à un moment de nous, à un moment donné, à l'intérieur de nous, un manque de confort, un manque d'amour et on tombe dans la dépendance amoureuse, euh, dans l'excès de travail. Voyez. Donc, en fait, ça, en fait, ça, ça résonne vraiment cette carte avec euh, euh, avec la notion de avec la notion de manque, euh, un esprit de manque et, euh, et 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 toutes les expériences en fait que vous avez vécues et euh, euh, et en fait, qui, vont, qui vous ont poussé dans cette direction. Et c'est comme si vous étiez un peu euh, enchaîné euh, involont, involontairement à la peur, à l'envie euh, et à, un peu à toutes sortes de souffrances. Donc, il y a peut-être l'idée de sortir euh, euh, d'une forme de restriction en vous rappelant en fait toutes les limites euh, euh, qui existent sont celles que vous-même vous vous imposez. Il y a une idée ici de, 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 de nettoyer son esprit de ce sentiment de manque, justement. Et de plutôt vous concentrer sur ce qui est source de satisfaction. Alors, est-ce que c'est la famille C'est comme si là, on vous disait, euh, mais quelle est votre définition de l'abondance Qu'est-ce qui, dans votre vie, quel est le domaine de votre vie dans lequel euh, euh, voilà, vous mettez beaucoup d'énergie au détriment peut-être d'autres domaines de votre existence et qui mériteraient votre attention et qui vous feraient du bien, euh, du bien à vous et du bien euh, voilà, aux, aux personnes que, qui sont autour de vous Donc, je crois qu'il y a, a peut-être cette question dans ce tirage-là à se poser euh, quant au, au manque, aux frustrations, euh, à l'idée de l'abondance qu'elle représente, euh, et pour, pour se mettre un peu plus en accord, euh, avec, euh, plus en accord et plus en équilibre avec euh, ce que vous souhaitez. Et que là, pour le coup, euh, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne concerne pas que l'aspect financier, mais en fait tous les aspects de sa vie. Donc, est-ce qu'il y a de l'abondance dans tous les aspects de sa vie Avec cette carte, il y a une action qui est proposée. Alors, je vous dis souvent hein, de poser les choses par écrit. Euh, et euh, cette action, en fait, c'est de faire euh, trois colonnes. Une euh, qui concerne tout ce à quoi vous renoncez. Euh, tout ce à quoi euh, vous adhérez, vous dites oui, euh, c'est-à-dire tout ce dans quoi vous investissez, et euh, cette troisième colonne, et la troisième colonne en fait c'est une, une colonne pour pour euh, mettre les actions en place par rapport à, à à vos à vos propres aspirations, vous voyez pour retrouver une forme d'équilibre. Et, euh, et si jamais vous sentez une forme de résistance intérieure, euh, travaillez en fait là-dessus pour, euh, pour mettre en évidence, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez voir les choses plus clairement, pour mettre en évidence les, 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 les points de blocage et, euh, et, pour, et pour, pour défaire les nœuds. Waouh Très puissant ce tirage poisson là, les amis euh, alors peut-être que ça n'a pas résonné pour tout le monde encore une fois, euh, mais quoi qu'il en soit, si euh, ça vous parle, n'hésitez pas à le partager. Euh, je vous dis à très vite, euh, je vous embrasse, je vous embrasse.